Bonjour chers passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de Formule E. Nous verrons qu'est-ce que la Formule E, quelles sont ses réglementations, qui sont ses pilotes et écuries et comment se déroule un Grand Prix de Formule E. La Formule E est une catégorie de compétition de type monoplace électrique créée en 2014 et réglementée par la Fédération Internationale de l'Automobile. Elle met en compétition 12 équipes qui font courir chacune deux monoplaces sur un circuit urbain en plein centre-ville. En dehors des écuries spécifiques à cette discipline, le championnat de Formule E attire de nombreux constructeurs automobiles tels que Audi, Nissan, BMW, Porsche, Jaguar et Mercedes-Benz qui profitent de ce championnat pour pouvoir développer les technologies des voitures électriques. Comme toute compétition automobile, la Formule E possède des réglementations techniques qui sont les suivantes. Le châssis des monoplaces est conçu par Dallara. Les pneumatiques sont de taille 18 pouces et fournis par Michelin. Les pièces telles que le moteur, la boîte de gestion électronique, la boîte de vitesse, les suspensions sont fabriquées par les écuries elles-mêmes ou par d'autres fabricants désignés par ces écuries. Chaque monoplace doit peser 900 kg minimum, pilote compris. L'accélération du 0 à 100 doit se faire en 2,8 secondes pour une vitesse maximale de 280 km/h. Côté motorisation, les voitures de Formule E sont propulsées par un moteur électrique placé en position centrale arrière et développant 250 kW, soit 335 chevaux. L'alimentation est assurée par une batterie de 54 kWh dont le poids ne doit pas excéder 385 kg. 12 équipes sont présentes en championnat de Formule E et font courir au total 24 voitures. Parmi ces équipes, nous pouvons citer Audi Sport ABT Schaffler, qui a pour pilote Luca Di Grassi et Daniel Harp. BMW i-André Team Motorsport, qui a pour pilote Maximilian Günther et Alexander Sims. DS Techita, qui a pour pilote Jean-Éric Vergne et Antonio Filipe da Costa. Virgin Racing, qui a pour pilote Sam Bird et Robin Bringe. Georg Dragon, qui a pour pilote Brandon Harley et Nico Müller. Mahindra Racing, qui a pour pilote Jérôme Ambrosia et Pascal Wehrlein. Mercedes-Benz EQ, qui a pour pilote Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries. NIO Formula E-Team, qui a pour pilote Olivier Torver et Mark Kinghua. Nissan E-Dams, qui a pour pilote Olivier Roland et Sébastien Buemi. Jaguar Racing, qui a pour pilote James Calado et Mitch Evans. Porsche Formula E-Team, qui a pour pilote Nel Jani et André Lotterer. Venturi Racing, qui a pour pilote Felipe Massa et Eduardo Mortara. Un e-prix de Formule E suit un format de course bien précis. Le matin, de 8h à 8h45, nous avons la première séance d'essai libre. De 10h30 à 11h, nous avons la seconde séance d'essai libre, qui permet au pilote d'élaborer une stratégie de qualification ou de course. De 12h à 12h40, nous avons la première séance de qualification. De 12h45 à 13h, nous avons la seconde séance de qualification ou Super Pole qui permet aussi premier pilote de la première séance de qualification d'essayer d'aller chercher la pole position. Et à 16h commence la course qui dure 45 minutes plus un tour de piste. Les points sont attribués avec le système standard de la FIA aux 10 meilleurs pilotes de la course. Le premier marque 25 points, le deuxième 18, le troisième 15, le quatrième 12, le cinquième 10, le sixième 8, le septième 6, le huitième 4, le neuvième 2 et le dixième 1 point. Les 14 autres pilotes marquent 0 point. De plus, comptant aussi 3 points pour le pilote ayant effectué la pole position, 1 point pour le pilote réalisant le meilleur tour s'il termine dans le top 10, 1 point pour le pilote le plus rapide de tous les groupes de qualification. À la fin de la saison, le pilote ayant marqué le plus de points remporte le championnat pilote et l'écurie ayant marqué le plus de points remporte le championnat constructeur. Cette vidéo sur le championnat de Formule E est désormais terminée. Je crois avoir dit tout ce qu'il fallait savoir sur cette discipline. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.